Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un problème que tout artiste a déjà rencontré ou va rencontrer peut-être un jour. Et justement, avec ce tableau-là, j'ai rencontré un problème vraiment majeur. Je m'en suis aperçu seulement après, puisque je l'ai peint dehors sur le motif. Et finalement, je n'ai pas du tout obtenu le résultat que je souhaitais, mais je ne m'en suis pas aperçu lorsque j'étais dehors, lorsque je le faisais, lorsque je peignais. Et ce problème-là, ben, c'était dû à l'éclairage. En fait, lorsque j'ai peint ce tableau, j'étais en plein soleil et à partir du moment où je l'ai rentré à l'intérieur, que je l'ai vu sous un éclairage normal, comme actuellement un éclairage de maison, alors là, ça a été une catastrophe et il n'a fait plus du tout les contrastes et les couleurs que j'avais vues dehors pendant que je le peignais. Donc, le fait de peindre au soleil, ça a complètement faussé ma perception des couleurs et des valeurs des contrastes. Alors maintenant, je suis ici à l'intérieur. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais essayer de récupérer ce tableau. Je vais essayer de lui redonner, vie. Essayer d'apporter des couleurs, des lumières, de remettre sur le tableau ce que j'y avais vu lorsque je l'ai peint en plein soleil finalement. Mais est-ce que je vais y parvenir? Est-ce que je vais arriver à faire quelque chose à partir de ça? Quelque chose d'aussi beau que ce que j'avais sous les yeux à ce moment-là? On va voir, je vais essayer. Je suis pas certain de réussir, mais je vais essayer. Alors juste avant de me lancer dans ce défi, j'ai un cadeau pour vous. C'est un e-book qui s'intitule « 16 astuces pour artistes peintres ». Il vous suffit de cliquer sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo pour le télécharger gratuitement. Alors voyons voir maintenant si je peux faire quelque chose avec ça. Est-ce qu'il est récupérable? Est-ce que je peux le ramener à ce que j'aurais souhaité avoir ou bien est-ce que c'est une cause perdue? Est-ce qu'il vaudrait mieux que je mette du gesso dessus et que je le recommence? Et on va voir, je vais quand même essayer de le récupérer doucement, petit à petit, on va dire morceau par morceau pour en faire finalement quelque chose d'intéressant. Alors c'est parti. Bon, mais je commence par reprendre le ciel avec un petit peu de blanc de titane et de bleu phtalo. Alors je le fais plus pâle, vous voyez. Le ciel, je le voyais pâle alors qu'il était foncé parce que justement j'avais cet éblouissement par le soleil. Je vais passer à la colline au loin là-bas. Alors j'ai fait cette colline quand même pas mal mauve, vous voyez. Elle est même trop mauve, trop colorée. Je pense que mon éblouissement m'empêchait d'évaluer la vraie teinte de cette colline-là. Je voyais pas qu'elle était si mauve que ça. Alors est-ce que cette teinte-là est bonne? Je vais la faire un petit peu plus bleue encore. Voilà un gris bleuté un peu foncé. J'ai encore rectifié la couleur. Allez, j'attaque quelques collines lointaines par ici. Des verts froids pour passer un petit peu derrière le village. Et ça, c'est plus pour donner de la profondeur que vraiment représenter quelque chose de très réaliste. Alors là-bas, derrière le village, on avait une végétation d'arbres plus près, donc plus foncé aussi. Même ça montait pas mal par là. Je vais passer tout de suite au village. Alors là aussi, les toits, je les voyais vraiment plus pâles que ça. Je peux donc facilement les éclaircir à nouveau. Maintenant, alors on ne fait pas les maisons une par une, étant donné que c'est très très loin, on va juste donner l'impression que c'est un village. Je ne prendrai pas un pinceau plus petit pour rester dans le style, et j'alterne un petit peu les touches foncées, les touches pâles, l'ajout de quelques touches mauves pour représenter des murs de maisons ou d'immeubles dans l'ombre, puis on revient à nouveau avec la végétation, elle peut être très foncée, elle peut être un petit peu plus pâle, c'est varié. Une petite amélioration du clocher, il est trop haut, donc je rajoute quelques toits de maison par là, voilà. Puis là, je vais commencer à faire les arbres qui sont en avant du village, en mettant bien leur partie ombragée, foncée, donc cette végétation qui est en avant-plan. D'après, je mets la lumière sur toute cette végétation-là. Voilà, j'aime bien alterner les pâles et les foncés. On va pouvoir commencer le champ là-bas au loin. Vous voyez, il y avait un petit peu de vert comme ceci, lumineux, par là-bas. On avait ce vert aussi sous l'arbre ici, voilà. C'est incroyable comme la lumière apparaît tout de suite. On avait une couleur un petit peu beige après par ici, dans les rangs de lavande qui venaient vers nous. C'était plutôt du lavandin, on va dire, un petit peu mal entretenu, ou peut-être pas du tout, je sais pas. Ou jeune, oui, peut-être du lavandin jeune, au travers duquel on voyait beaucoup de terre. Voilà, je vais commencer à placer la couleur lavande pour ce lavandin au loin. Alors c'est là où je dois remettre plus de lumière. Voilà, je vais me permettre des petites touches un petit peu plus foncées. J'ajoute un petit peu de texture, mais pas trop. Maintenant, je peux reprendre cet arbre ici, tout de suite, avec son ombre, un petit peu exagéré. Je vais même le grossir encore un peu pour lui donner plus d'importance et d'impact. Donc après avoir mis le noir
Je reviens avec les verts foncés pour générer la couleur, mais aussi la texture du feuillage. On va pouvoir maintenant attaquer la lavande. La première chose, c'est la terre ici, vous voyez, comme elle, j'avais vraiment essayé de travailler plus la couleur orangée et j'avais un peu laissé tomber la luminosité de cette terre, de ces cailloux. Alors, je vais tout de suite revenir rééclairer tout ça en premier lieu. Je sais pas vraiment encore ce que ça donne dans l'ensemble. J'espère que ça va fonctionner. Une chose est sûre, c'est que je peins de manière quand même plus tranquille et plus confortable. Voilà, on peut montrer aussi la terre et les cailloux à travers les fleurs. J'enrichis avec des touches de texture. On va reprendre la lavande. Alors, ce qui manquait, c'était des contrastes, on le sait. Je peux déjà commencer par ajouter des verts très foncés dans tout ce qui est feuillage des avant-plans, jusqu'à mettre des noirs même, pour générer la profondeur, le creux dans ces rangs de lavande, ces bouquets. Ce que j'ai pu remarquer en étant sur place là-bas, c'est que aucun rang de lavande, aucun champ de lavande est identique. Il y a des lavandes qui sont plus bleues que d'autres, il y en a qui sont plus mauves, plus rougeâtres, mais aussi il y en a qui sont plus légers, plus chargés. Il y en a où on voit vraiment des arrondis, comme chaque bouquet va faire un arrondi différent, alors que comme ici, on fait pas de distinction, elle est tellement chargée, celle-là, que ça fait vraiment un rang uniforme. C'est vraiment spécial, hein. C'est là où on s'aperçoit qu'on ne peut peindre vraiment bien les choses que lorsqu'on est devant, lorsqu'on les voit, qu'on est dans la nature, c'est l'idéal. Franchement, c'est l'idéal. Et donc, je préfère peindre ici, d'après mes souvenirs, que d'après photo, puis aussi je peins pour améliorer le tableau plus que pour avoir une fidélité ressemblante de la photo, quoi. Allez, c'est flou au loin, c'est plus découpé en avant-plan. Voilà, on va faire encore un petit peu le deuxième, un autre rang par là-bas, mais beaucoup moins fort. On s'éloigne. Voilà, après avoir mis les noirs, je vais y aller avec des verts foncés. Trop souvent, quand on peint les lavandes, on néglige les verts. Pourtant, il y en a vraiment beaucoup. J'arrive à la partie la plus difficile. Je vais commencer par les violets foncés, enfin les bleus lavandes foncés. Après, je vais revenir dans les verts pâles. Après, je vais revenir dans les mauves pâles. Et puis, on va alterner comme ça pour obtenir une texture suffisamment dense et complète pour avoir donné l'impression de la lavande. Alors, je vais y aller avec des touches peut-être un petit peu plus étirées, un peu plus allongé. Oui, je l'ai fait surtout à gauche parce que la lumière vient de droite, mais on va en mettre quand même un petit peu à droite, mais moins. Alors, quand le rang est à droite, on a une inclinaison un petit peu différente, tu sais. La lavande, ça n'a jamais été très évident à faire, hein, surtout dans les premiers plans comme ça, parce que, bon, je cherche quand même un certain réalisme, même si c'est dans une touche impressionniste, il faut que on ait l'impression que c'est réel, hein, quand on le regarde de loin, donc c'est un défi. Allez, je vais essayer les verts pâles. Alors, il faut en mettre juste ce qu'il faut, ni trop, ni pas assez. Je sais pas, j'en ai trop mis à gauche, il faut que j'en enlève, puisque c'est l'ombre à droite, à gauche. Ouais. On va en mettre plutôt en haut ici. Mais surtout devant, après, ça s'éloigne un petit peu. En s'éloignant, ça, il y en a de moins en moins. Et de plus en plus flou là-bas. On peut avoir des endroits, des spots où il y en a un petit peu plus. Ça va être loin, juste quelques verres qu'on va voir un petit peu à travers les mauves pâles, à peine. Donc je vais en mettre un petit peu, mais pas beaucoup. Je vais être vraiment obligé de finir avec les mauves pour faire disparaître ces excès de verre. Pour ça qu'il vaut mieux les mettre maintenant et pas à la fin. Le gros défi, c'est maintenant, parce que je n'ai que du cramoisi d'alizarine pour faire mes lumières. Et il aurait fallu avoir du magenta ou un rouge quinacridone. Vous voyez, pour avoir un rouge violet très très intense. Alors, comme je n'ai que du cramoisi d'alizarine, je vais d'abord y aller avec des rosés. Donc, dès qu'on le mélange avec du blanc, bien sûr, il fait orangé quasiment. Là, il est pas, c'est pas du tout la bonne couleur, mais je vais y en mettre quelques touches, comme ceci, avant de venir avec les mauves, pour représenter les lumières. Et par-dessus, c'est trop rose, on va dire saumon quasiment, rose orangé. Je vais revenir avec des mauves plus foncés ou des mélanges de mauve et blanc, mais qui seront trop bleutés finalement. Donc, je vais espérer que ça fonctionne par le mélange visuel et non pas le mélange physique ou chimique de la peinture sur la palette. Allez, c'est parti. C'est une grosse quantité de coups de pinceau qu'il va falloir que je place de manière assez stratégique.
Cette couleur aussi est très très grise. Dès que j'ajoute le mauve, le violet, l'ultramarine violet à du blanc, ça devient très grisâtre. Alors je vais en mettre beaucoup, encore une fois, des petites taches pour générer une texture quasiment par-dessus les rosés que je viens de mettre, pour essayer d'utiliser, si vous voulez, la technique de pointillisme. Le pointillisme qui fait que si je mets une touche de bleu à côté d'une touche de rouge, je devrais voir du violet. Quelques touches de blanc quasiment pur, puisque le but de mon travail aujourd'hui, c'est de remettre du contraste qui avait complètement disparu. À un moment donné, à force d'en faire, eh bien, on mélange les pâles, les foncés, les rouges, les bleus, et je retombe encore dans des grisâtres, trop grisâtres. Allez, je reviens. C'est du violet pur que je mets, le violet de cobalt pur. Puis vous voyez, il est vraiment pas intense. Hein. C'est pas la meilleure couleur que j'ai achetée là. Au lieu de m'aider, elle m'apporte des difficultés. Voilà, je m'aperçois que c'est certainement mieux de jouer moins avec la texture et plus avec la couleur. L'irrégularité de la touche aussi est importante, alors qu'en voulant faire les brins de lavande un par un, on tombe dans une touche trop régulière qui enlève beaucoup l'effet réaliste d'un rang de lavande vu de loin. Alors là, j'ai fait une bêtise. Quoique, je vous dirais, vu qu'il est près de moi, il pourrait s'élargir. C'est peut-être même un heureux accident. Voyez, ce qui fait qu'on reconnaît que c'est de la lavande, ce n'est pas tant la touche, mais plutôt la couleur et la forme des rangs. Ici, à l'intérieur, je peux régler le problème de contraste, de luminosité, mais je peux pas vraiment créer, corriger le problème de vivacité des couleurs. Pas ici, en tout cas. Il faudrait que je le reprenne encore lorsque je serai chez moi, dans mon atelier, avec d'autres teintes. À moins que j'aille acheter spécifiquement ici pour ça, magenta ou quinacridone rouge, une couleur vraiment très très vive qui, mélangée à un petit peu de bleu, me donnerait un violet beaucoup plus vif que ce qui est là, quoi. C'est même magenta avec un bleu phtalo, on fait des très beaux violets, hein. Si on reste dans les, on cherche à aller chercher des peintures monopigments, ça peut être très intéressant. Allez, je me bats. J'essaye de faire du mieux que je peux, mais c'est pas évident, alors pas du tout. Alors, allez, on revient encore avec des lumières. Alors, en fonçant plus dans l'ombre à gauche, je vais peut-être gagner une impression de lumière à droite, sans vraiment y mettre. Je reviens avec du noir. On va revenir avec des verts, des noirs, des nuits, des ombres finalement, ici. Des ombres foncées. Je peins comme à l'huile. Je suis vraiment dans le frais. Là, je suis très, très épais. Alors là, j'étends bien les foncés pour qu'ils sèchent plus vite. J'ai quand même, il fait chaud ici. Puis, j'ai deux ventilateurs sur moi. Ce sont mes amis pour cette peinture-là. Dans la mesure, on a beaucoup enlevé les verres pâles. On va en remettre un petit peu. Allez, un peu de texture foncée dans les lumières ici. Ben, comme j'avais fait là, hein, pareil. Mais, comme c'est un petit peu plus loin, on va les flouter légèrement. Ouais, on vient dans les mauves très pâles, des plus foncés, on alterne. Et là, je vais finaliser les rangs avec des mauves avant de prendre du recul et voir ce que ça va donner. Je pense que finalement, je m'en suis quand même pas mal bien sorti et je suis vraiment beaucoup plus satisfait du tableau comme il est maintenant que comme il était avant. Donc oui, j'ai vraiment eu du mal. Ça, c'était surtout à cause de mes couleurs, des couleurs que j'ai ici. J'avais pas la gamme de couleurs que j'aurais voulu avoir, mais j'ai quand même réussi surtout à améliorer les contrastes. C'est ça qui était important, c'était les contrastes qui marchaient pas. Alors, vous voyez que on peut toujours corriger un tableau, même s'il nous paraît complètement foutu. Moi, je pensais peut-être au début que j'allais mettre du gesso dessus, puis recommencer autre chose ou le recommencer à partir de zéro. Mais c'est toujours mieux. Moi, personnellement, je pense que c'est toujours mieux de partir de quelque chose, même si c'est manqué, et de l'améliorer, de le terminer, c'est toujours possible. Voilà. Alors, si quelque chose comme ça vous est arrivé à vous aussi, si vous aussi, ça vous est arrivé d'être pas satisfait d'un tableau et d'essayer de le continuer, de le reprendre, de le corriger, et si vous y avez... Et si vous avez réussi ou non, je serais content de le savoir. N'hésitez pas à le marquer dans l'espace de commentaires sous la vidéo. Ça peut être des belles expériences à raconter et à partager. Et peut-être aussi, ça va aider donc tous les membres de cette chaîne YouTube peut-être à garder courage et confiance pour pouvoir améliorer nos tableaux manqués. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu.
Et si vous voulez voir une autre vidéo vraiment très intéressante, justement sur la peinture acrylique, je vous invite à regarder donc cette vidéo qui s'intitule « 7 erreurs à surtout ne pas faire en peinture acrylique ».